notre objectif est de promouvoir le rôle de la femme au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance, que ce soit pour le secteur public ou privé. Donc aujourd'hui, au Maroc, heureusement, nous sommes dans une bonne dynamique. Les gens ont pris conscience de l'importance du rôle de la femme au sein des, justement, de ces instances de gouvernance. Ça commence un petit peu à bouger. Voir qu'une femme est efficace et apporte de la performance dans un conseil d'administration, ça donne de l'espoir à tous les échelons dans la vie professionnelle des autres femmes qui sont à différentes étapes de leur vie professionnelle. Au niveau du conseil d'administration, qui est le stade le plus élevé hiérarchiquement, eh bien, ça veut dire que toutes les femmes à différents échelons dans leur vie professionnelle peuvent y arriver et à croire que c'est possible. C'est vraiment ça le sens de notre message. La Bourse de Casablanca est totalement engagée pour l'égalité des genres. Et depuis une dizaine d'années, nous avons fait de gros efforts pour parvenir à cet objectif. Il y a 10 ans, nous étions à 20% seulement de femmes dans des postes de direction. Aujourd'hui, les femmes occupent 38% des postes de direction à la Bourse de Casablanca. En termes d'effectifs, nous sommes passés de 30% de femmes il y a une dizaine d'années à aujourd'hui 50% de femmes au niveau de la Bourse. Donc nous contribuons à notre modeste niveau aussi à la parité qui nous semble essentielle pour le démarrage économique, pour l'émergence économique de notre pays. L'égalité des genres n'est pas une question seulement de droits humains, mais c'est aussi une question économique. L'égalité des genres contribue à dynamiser l'activité économique en donnant des opportunités d'emploi aux femmes.